Aujourd'hui, on est sur la Seine, on est à Paris, sous les ponts de Paris, et on prépare une prise de vue sur l'arrivée de Tom Pêcheux dans la maison Estée Lauder. J'essaye de leur apporter de la bonne humeur, de la fantaisie, mon savoir-faire, ma vision, étant français, une French touch. Se faire maquiller par Tom, c'est comme s'allonger sur un divan chez son psychiatre. On peut tout lui dire. Et ce que j'adore surtout, c'est quand arrive quelqu'un de très mauvaise humeur et que, avec un peu de maquillage, on arrive à transformer cette mauvaise humeur en une excellente humeur. C'est peut-être mon côté, avoir le pouvoir sur quelqu'un. Estée Lauder, c'est une vieille maison, non ? Qui a un côté toujours un petit peu classique, donc il lui faut quand même côté rassurant dans son maquillage, mais il lui faut quand même une pointe de modernité et de folie, et je pense que Tom aussi a ses doubles balances. Je connais Tom depuis 20 ans, et si on me demande un jour par qui veux-tu être maquillé, je vais tout de suite crier Tom. Pourquoi ? Parce qu'il a ce petit truc en plus de génie qui nous rend toutes belles. Ça va être un numéro sur Paris, donc on va essayer de faire un peu un stylisme française, une parisienne surtout. Alors qu'est-ce qu'une parisienne ? C'est de la beauté jusqu'au bout des ongles, c'est impeccable même quand ça ne se voit pas, et bien entendu beaucoup de noir. C'était aussi une fille sophistiquée, c'est une fille qui se maquille dès le matin, qui est soignée, qui fait attention à elle, et on va la voir à différents moments de la journée, je sais pas, au moment du déjeuner, un début d'apéritif et en grande soirée. Voilà, on va voir l'évolution de son maquillage, tout ça sur une promenade le long de la Seine. La première parisienne, c'est Constance. Une française. Ouais, c'est très rare dans ce cheptel de magnifiques mannequins. J'aime bien m'amuser avec les couleurs. Puis c'est bien d'essayer de trouver la juste tonalité. Tu vois, là, j'utilise deux couleurs très, très beiges. Il y en a une qui est mate et qui est assez claire. Ça, c'est ce qui va donner la base. Et l'autre, elle paraît plus beige, mais en fait, c'est toutes les brillances argent et or dedans qui lui donnent cette couleur beige. C'est des couleurs qu'on va appeler jour, des couleurs de peau, des couleurs des brillances. Plus on fait dans une enduit naturelle, plus ça demande du travail, parce que finalement, quand on en met beaucoup, les erreurs disparaissent. On va mettre juste une petite pointe de noir, parce qu'on ne peut pas faire un maquillage sans noir. Je dis toujours qu'on ne te présente jamais un diamant sur un coussin blanc, on te le présente toujours sur un coussin noir, parce que ça met en valeur la qualité de la pierre. Ben pour moi, c'est pareil. Moi, je crois que c'est presque prêt. Moi aussi. C'est bon. Merci. Ça, c'est très parisien, toute nue sous son train de chien. Oui, bien sûr. Ça, c'est notre idée du jour. Oh. Autrement, l'autre chose qui était très... C'est encore plus simple, mais c'est quand même sophistiqué dans l'idée. Ouais. Juste comme ça. On met juste devant elle pour voir. Ça, c'est perfection, tout simple et tout, sobriété absolue. Pour moi, c'est plus chic, c'est tellement simple et c'est très parisien dans la sophistication.
On commence comme ça et on met les talons et tout parce que même si on les voit pas, c'est plus agréable. On a la chance d'être avec Inès Valenzverde et Vinoud Matadine, qui sont quand même des photographes fétiches du journal Vogue et qui travaillent très très souvent avec Tom Pêcheux aussi. C'est pas la parisienne minimale, c'est vraiment la parisienne qui est élégante, chic, qui essaye de pousser le luxe et la sophistication au maximum, mais tout en douceur. Là, ça va être le côté le plus fantaisiste, peut-être. On va s'amuser un peu avec la couleur, avec plein de couleurs. Ça va partir du bleu nuit, avec peut-être des petites pointes de touches de bleu assez vif, justement pour le côté un peu fantaisiste. J'adore le bleu et le noir ensemble, je trouve que ça marche super bien. Ça attire toujours le regard. Tu vois, par exemple, là, je vais utiliser le taupe et je vais m'en servir pour faire le sourcil. Un petit truc, tu vois, qui est génial à la fin, tu prends le blanc irisé. Et tu le passes partout. Déjà, il a une petite paillette bleue. Ça va enluminer tout le maquillage. Karine, qu'est-ce que tu penses? Il y a deux solutions. Est-ce qu'on fait une bouche beige ou est-ce qu'on fait une bouche fruitée? C'est ce que je ferai comme couleur. Je ferai un rouge comme les ongles. Parce que maintenant, je suis très assortie. Sac et chaussures, ongles et bouche. La bouche, j'aime bien recréer mes volumes. Quand tu fais une bouche, ça supporte pas la médiocrité. Ça doit être juste impeccable. Yeah! Voilà, je crois. Je trouve que l'ongle est nouvel accessoire de mode. Il a dépassé le sac à main. C'est définitivement fait pour des femmes qui assument à 100% leur individualité, leur fantaisie et leur sexualité. De porcelaine, ce sera pas les mêmes poses qu'avec le maquillage que Tom va me faire maintenant. Sulfureux. Sulfureux et charbonné. Je vais l'attaquer avec du noir partout dans l'œil.
soit tu laisses faire naturel, et dans ces cas-là, il faudrait qu'on sorte tous faire la fête, jusqu'à très tard demain matin, ou alors tu le fais, mais si tu le fais, tu es obligé d'aller déjà au parfait pour après le détruire. La manière dont je l'étale, c'est je le tire un peu vers le bas, comme si ça avait coulé déjà. Et après, je pense qu'il y aura définitivement une intervention des doigts. J'utilise toujours un petit peu de gloss, du gloss à lèvres. Voilà, ça fait partie des petites choses que les gens n'aiment pas faire ou n'osent pas faire, ce qui est très dommage. C'est de mettre un petit peu de gloss pour les lèvres sur les yeux. Et voilà ce qui change un œil noir en un œil sexy. Ce qui est génial quand tu fais cet œil-là, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon maquilleur parce que l'idée, c'est qu'il y ait plein de petits défauts étudiés, mais des petits défauts. Ah, tu la veux ? Yeah, I've never got it. Yeah, maybe. Yeah, not the light here.